La You Act, n'est-ce pas? Ça signifie Youth in Action. C'est une association qui travaille dans plusieurs domaines, le leadership, l'entrepreneuriat, mais je vais m'attarder beaucoup plus sur l'aspect de l'éducation. C'est une association qui travaille aussi sur le plan de l'éducation pour pouvoir donner un bagage, un background et des compétences aux élèves et aux étudiants afin d'être excellents, n'est-ce pas, dans leur domaine et afin d'être des leaders de demain. Donc, pour être compétitif, il n'est pas seulement question d'être apte dans le domaine de l'écriture, du français, de l'anglais, mais on a aussi besoin d'autres compétences, n'est-ce pas, additionnelles pour pouvoir associer ce que vous faites déjà sur les bancs maintenant à la vie active. Je vous donne l'exemple seulement des personnes qui ont passé tout leur cursus scolaire à avoir 20 sur 20, mais qui actuellement, par exemple, n'ont pas, n'est-ce pas, d'emploi alors qu'ils ont fréquenté jusqu'en master, jusqu'en doctorat. Tout ce que nous vous donnons sur le plan de l'éducation, c'est pour vous donner d'être déjà apte dans ce que vous faites à l'école, de réussir vos examens, mais en plus de cela aussi, d'être vraiment des personnes qui peuvent s'intégrer facilement sur le plan socio-professionnel et des personnes qui peuvent créer de la richesse. Peut-être spécifiquement, nous dire un mot pour que vous compreniez mieux ce que c'est que la URAT. Mais le plus important, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, tout à l'heure, c'est pouvoir vous donner des astuces sur comment aborder l'épreuve d'examen, n'est-ce pas, en ce qui concerne le sujet d'anglais. To cut a long story short, I would like to welcome our speaker of today. His name is Alain Kaobasi Vaosum. I'm so glad, I'm so pleased to speak with you, to have an international speaker. Good evening, Alain Kaobasi Vaosum. Good evening. Yes, thanks. Good evening to everyone. Okay, I hope you are fine. Yeah, I'm fine, by the grace of God. Thank you. Okay. Yeah. It's true that our student will not be evaluated in terms of speaking, but I feel that we can take a little time to speak, to express ourselves in English. But be sure that even if you are not Anglophone, we will take our time to explain everything in French. To cut a long story short, I will give you the floor. Okay, thank you, Yassine. And before starting, I would like just in line with what you said, just after taking the floor a couple of minutes ago, I think you are an example of what I just said, that there's no time, or let's say, it's never late to catch up as far as our English language level is concerned. And when Yassin speaks English currently, it's very difficult to think or to realize that he has learned it later in his life. So I think with commitment and with hard work, he was able to reach the current level in English. And given the fact that our students have as first language French, and the most important thing that we would like to do today is to convey them a couple of clues and techniques that will help them succeed in their English language test. I will continue in French because I've seen a couple of people already making some gestures that are surprised that maybe the whole presentation will be made in English. Okay. Pour expliquer, pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension de ce que je veux vous dire, utilisez votre première langue qui est l'anglais. Et ça va vous permettre de mieux saisir ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Je vais partager mon écran, qui est une présentation PowerPoint. Et cette visuelle vous permettra en fait d'avoir une vue du sujet sur lequel nous allons nous entretenir aujourd'hui.
Et le thème est présenté comme suit, bien préparé et aborder l'épreuve d'anglais bien naturellement aux examens officiels. Et nous avons donc deux dimensions. Il y a la préparation. Et vous êtes en ce moment dans cette dimension de la préparation. Et le jour J, vous aurez donc à aborder directement l'épreuve d'anglais. Ce sera plus la préparation, ce sera déjà trop tard. Ce sont deux éléments très, très, très importants. Et votre réussite dépendra de la façon dont vous aurez géré la phase préparatoire et aussi la phase d'abordage de l'épreuve. Nous allons donc commencer par la phase de la préparation. Le premier élément qu'il est important, c'est de présenter la structure de l'épreuve. Ça semble ne pas être forcément quelque chose d'important, mais c'est très important parce que la compréhension de cette structure-là vous permet de vous mieux vous organiser dans la préparation. Il y a le grammar qui est sur 10 points. Ici, nous avons affaire à l'ensemble des règles qui régissent la langue anglaise. Chaque langue a des règles et ces règles, en principe, gouvernent l'utilisation de cette langue-là. Donc ici, on cherche à tester votre maîtrise de ces règles-là. Et je voudrais vous dire que ce test ne se base pas en principe sur le cours que vous aurez eu à voir dans votre classe particulière, que vous soyez en terminale, que vous soyez en première ou que vous soyez en troisième. L'évaluation de la langue anglaise en terminale prend en compte ce que vous avez appris de la sixième jusqu'en terminale, en fait. Donc, ce n'est pas une histoire seulement de la terminale ou bien de ce que vous aurez vu dans le livre d'anglais de terminale. Mais ça, on vous évalue sur ce que vous aurez acquis de la sixième jusqu'en terminale. Cela vaut pour le vocabulary. Ici, il s'agit de tester en principe le domaine terminologique de la langue et les règles qui régissent ces terminologies-là. Donc ici, nous aurons les synonymes, les antonymes et ces autres éléments en principe qui régissent les règles de vocabulaire en anglais. Le reading comprehension maintenant vous permet en principe de tester votre capacité à saisir le sens de la langue ayant déjà appris le grammar, le vocabulary. Ça vous permet de saisir le output d'une langue. Et le output que vous avez ce jour-là, en principe, c'est le texte. On teste, est-ce que vous comprenez bien le texte? Est-ce que vous êtes capable de rendre, en principe, ce que vous avez compris du texte? C'est pour cela qu'il y a des questions que vous aurez à la fin. Et le essay writing, c'est le côté, en principe, la compétence de l'écriture. Est-ce que maintenant, ayant saisi les règles de grammaire, ayant saisi ou bien ayant acquis les terminologies, est-ce que vous êtes capable vous-même, non seulement de construire des phrases grammaticales, mais aussi de pouvoir être logique dans votre façon de faire? Maintenant, il y a un facteur qui, pour moi, constitue plus de 50% de votre réussite. C'est le facteur psychologique. En principe, beaucoup des élèves abordent l'épreuve d'anglais avec cette disposition défaitiste et fataliste. C'est ce mythe de l'anglais bête noire. C'est votre premier obstacle. Parce que si vous arrivez et vous abordez cette épreuve en vous disant que bon, je cherche seulement le Colombie et le Colombie, et le true or false, j'ai fait un peu de trucs. Quand vous abordez donc cela, vous bloquez votre capacité à saisir l'épreuve. Tout se passe sur le plan psychologique. Il faut donc que vous vous fixiez des objectifs ambitieux et se donner les moyens de l'atteindre. Je crois qu'un élève moyen en anglais peut facilement avoir 12 sur 20. Je dis un élève moyen. Par élève moyen, j'entends celui qui dit que l'anglais c'est ma bête noire et je cherche juste la note non éliminatoire. Et je dis par expérience, ce n'est pas juste pour vous flatter. Vous avez la capacité, selon la maîtrise de la structure et de ce qu'on attend de vous, avoir entre 10 et 12 en anglais. Donc, n'allez pas en défaitiste, n'allez pas en fataliste, mais allez avec des objectifs ambitieux. Si vous avez des objectifs, vous êtes capable de pouvoir y arriver. L'image que je vais utiliser ici, c'est l'image des stimuli.
Un stimulus, c'est un élément qui te pousse à poser des actions que vous ne pouvez pas poser en temps normal. Et si vous avez peut-être un mur devant vous qui vous dépasse, et si on vous demande d'escalader ce mur-là, vous ne pouvez pas le faire. Mais si on met des chiens enragés derrière vous, vous serez capable d'escalader sans le savoir. Ce chien-là, en principe, qui vous chasse, constitue un stimulus. Et cette ambition que vous aurez, cette détermination à avoir une note de 10 à 12, par exemple, au minimum, pour toi qui t'estimes être pas assez fort en anglais, c'est ça ton stimulus. C'est ça cet élément qui te pousse à poser des actions que tu n'aurais pas pu poser en temps normal. Maintenant, comment apprendre? Parce que vous avez votre livre d'anglais, vous avez les textes, vous avez les cours. Et en mathématiques, il y a les règles, il y a peut-être les formules qu'il faut avoir, il y a les exercices qu'il faut avoir. En histoire, à notre époque, nous étions très forts dans le bûcher, donc on bûchait, on mémorisait les dates. Mais en anglais, comment est-il possible? Comment s'y prendre? Il y a quatre techniques. Il y en a plusieurs, mais je vous partage quatre techniques. Le premier élément, c'est qu'il faut codifier les règles de grammaire essentielles. Il y a des choses qui vont presque toujours venir dans les cours. Il y a par exemple tout ce qu'il y a comme règle autour des tenses, les temps verbaux, la maîtrise des temps, parce que beaucoup des éléments de la grammaire concernent d'une part les temps verbaux, mais les autres éléments de la grammaire font appel aussi à la maîtrise des temps verbaux. Donc, il y a des éléments essentiels de la grammaire en anglais qui vont toujours venir en principe. Maintenant, essayez de codifier. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure avec un exemple pratique. Codifier les règles de grammaire est essentiel. Peut-être comment on utilise le past tense. C'est quoi la règle? C'est quoi les éléments qui vont vous indiquer qu'ici, c'est le past tense ou ce n'est pas le past tense? Donc, vous codifiez ces règles-là et vous les utilisez. Je vais vous montrer tout à l'heure comment vous pouvez les utiliser. Maintenant, il faut faire des lectures thématiques. Parce qu'en principe, au niveau des vocabulaires, ce n'est pas un ensemble de mots que vous devez mémoriser. En principe, dans vos livres, il y a des thèmes. Et je l'ai dit, les thèmes qui seront abordés en terminale, ce n'est pas forcément un thème qui provient de votre livre d'anglais en terminale. Mais ça peut provenir des thèmes, peut-être que vous avez vu en seconde, vous avez vu en troisième, vous avez même peut-être en cinquième. Donc, c'est un ensemble des éléments, parce qu'on ne considère pas que vous avez commencé à apprendre l'anglais en terminale, mais on considère que vous avez commencé à apprendre l'anglais depuis la sixième. Donc, il faut avoir des lectures thématiques. Dans ces lectures thématiques, vous allez gagner en vocabulaire. Le vocabulaire que vous allez gagner, vous aurez peut-être, vous allez maîtriser les techniques des préfixes, des suffixes, ainsi de suite. C'est dans cette pratique de lecture thématique que vous pouvez pratiquer ces choses-là. On ne mémorise pas les mots. Quand vous lisez un texte sur la politique, vous aurez des éléments terminologiques sur la politique. Et ça va en principe enrichir votre bagage terminologique de la langue. Donc, il faut faire des lectures thématiques. Si vous avez des questions là-dessus, vous allez poser tout à l'heure et j'entrerai plus en détail. Maintenant, il faut traiter les épreuves et faire des corrections commentées. Quand vous traitez des épreuves et quand vous corrigez, vous pouvez corriger avec l'aide d'un enseignant ou vous pouvez corriger peut-être dans certains annales, vous avez les corrections des épreuves. Une correction commentée, c'est quoi? C'est que pourquoi j'ai raté? Qu'est-ce que je n'ai pas saisi dans cette question peut-être de l'épreuve 2002 que j'ai raté? Qu'est-ce que je n'ai pas saisi? Et vous, il faut que vous commentiez ces corrections-là afin de remédier. Ce n'est pas que, OK, vous faites une épreuve, vous voyez la correction, vous voyez la note que vous avez reçue. Et même souvent, cette note que vous recevez souvent même dans vos pratiques peut facilement vous décourager. Si vous avez peut-être 5 sur 20 sur une épreuve que vous avez traitée pendant que vous pratiquez l'anglais, si vous vous en tenez seulement au niveau de la note, vous allez vous décourager. Mais bien au contraire, c'est une bonne nouvelle que vous ayez eu 5 lors de la pratique de l'épreuve, pas lors du bac ou du pouvoir ou bien du PC noir. Donc, saisissez en principe, c'est bien d'identifier vos problèmes très tôt. Et vous allez, erreur par erreur, et vous essayez de voir en quoi vous avez raté. Ça peut se faire parler de votre enseignant, mais ça peut aussi se faire par la relecture de vos cours sur les questions concernant les thèmes où vous avez eu des problèmes. Maintenant,
Après, dans ces épreuves commentées, vous pourrez identifier les zones à problème et travailler là-dessus pour pouvoir y remédier. Voilà donc un exemple pratique de la codification des règles de grammaire. Ici, nous avons le present continuous. On dit que le present continuous, tu mets the verb to be, the object to be, in the present tense, and you put the base form of the verb. The base form of the verb is the verb without the to, because you have to do is the verb in the infinitive form. In English, for example, in French, for example, we have premier groupe, marcher. Et ce qui montre que marcher est un verbe à l'infinitif, c'est le morphème ER qui est mis à la fin du verbe. Alors qu'en anglais, le marqueur de l'infinitif, c'est tout. Donc, le base form, c'est que vous enlevez tout, ça reste un verbe à l'infinitif, mais sans le tout. So, we have the auxiliary to be in the present tense plus the base form of the verb plus the ing after. Okay, what are the different forms of be in the present tense? Donc, tu es en train de codifier ton truc. Quand on dit que le verbe to be au présent, quelles sont les trois formes du verbe to be au présent? Il y a am, première personne du singulier. Il y a is, deuxième personne du troisième personne du singulier. Et le reste, c'est are. Donc, au lieu d'écrire une longue phrase, the verb to be in the present tense, c'est très long, tu mets déjà les trois formes qu'il y a. Et tu mets plus V, qui est mis pour verbe, et plus ing, qui est mis pour ça. Maintenant, pour chaque temps verbal en anglais, il y a des expressions qui vous conduisent, qui montrent que c'est ce temps-là. Et le present continuous en anglais, c'est décrit une action qui est en train de se dérouler au moment où l'on parle. Raison pour laquelle, dans la phrase, vous aurez les termes comme now, currently, at the moment, qui sont des adverbes qui marquent le fait que l'action est en train de se dérouler. Voilà donc un exemple que vous avez sur votre écran. I can't come, John said. I dash 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 to do my homework at the moment. Et ici, on vous demande de mettre le mot ou bien le verbe qui est entre parenthèses à la forme qui convient. Première chose, c'est que vous identifiez que ici, nous avons affaire à un verbe. Ça veut dire que c'est une conjugaison. Et vous voyez le at the moment qui est un élément qui vous montre que l'action qui est décrite ici. Ici, je vous assure, ici, il n'est même pas forcément utile ou bien incontournable que vous sachiez ce que I can't come veut dire. Mais là, quand vous détectez at the moment, vous savez, parce que vous avez codifié votre règle, que at the moment va avec le present continuous. Dès que vous identifiez le temps verbal, vous avez déjà votre règle ici que vous avez identifiée. Vous mettez votre règle, et un peu comme en mathématiques, vous faites l'application numérique. Ici, nous avons I, avec I. Est-ce que c'est am, est-ce que c'est is, est-ce que c'est R qui va? Tu te rends compte que I, c'est avec am. Tu mets am. Après ça, il y a le verbe, base form. Tu enlèves tout. Tu mets do. Tu mets do après. ING. Tu appliques ta règle. Parce que, et on vous donne toujours les indices. Pour quelqu'un qui a bien maîtrisé ses règles de grammaire, quand il va finir la partie grammar, il peut lui-même corriger sa copie. Il peut identifier là où il a trouvé ou pas. Parce qu'il y a toujours les éléments qui vous conduisent vers la réponse. On y reviendra. Maintenant, nous sommes au niveau de l'abordage de l'épreuve d'anglais. Je l'ai dit, ça, les conseils que je donne ici, là, ce sont des conseils généraux et qui s'appliquent à presque toutes les épreuves. Généralement, quand vous arrivez à la salle d'examen, vous avez ce qu'on appelle le tract. Ce n'est pas la peur. Il faut faire en plus la différence entre les deux. Le tract, en fait, c'est une pression psychologique, émotionnelle que nous ressentons quand nous avons un élément important à faire. Les journalistes, même nous, même les enseignants ont souvent ça. Quand tu veux enseigner, présenter quelque chose qui t'est important, il y a toujours une pression interne que tu as. Et cette pression émotionnelle peut être capitalisée quand elle est stabilisée et bien canalisée. Donc, quand on vous distribue vos épreuves,
n'ouvrez pas directement vos épreuves. Ça, c'est mon conseil. Parce que surtout quand c'est une épreuve, vous avez des problèmes et que vous avez des appréhensions. Donc, prenez 30 secondes à une minute avant de tourner votre épreuve. C'est un temps où vous prenez votre calme, vous respirez profondément. Il y a des exercices de respiration qui peuvent vous aider à vous relaxer. Maintenant, quand vous ouvrez l'épreuve, faites une lecture diagonale. Ça veut dire que parcourez l'épreuve rapidement. Ne lisez pas le grammaire et vous commencez déjà à répondre. Parcourez l'épreuve généralement. Vous voyez, en parcourant, vous pouvez par exemple mettre l'accent sur les instructions qu'on vous demande par rapport à chaque exercice, pas forcément lire toutes les questions. Donc, vous avez donc une vue générale sur l'épreuve. Maintenant, commencez toujours par l'exercice ou les questions qui vous semblent abordables. Ceci a un facteur aussi d'encouragement parce qu'en principe, il y a ce facteur, quand tu veux quelque chose de bien, tu as toujours des dispositions positives. C'est-à-dire que quand vous commencez à trouver des questions, ça vous met dans une disposition de positivité qui va vous permettre de pouvoir mieux aborder les questions qui vous semblent de prime abord difficiles. Maintenant, quand vous allez ouvrir votre épreuve, les questions peuvent sembler très difficiles au premier abord. Et c'est très normal. De la grammaire auquel se rapporte la question. Parce que je pars sur la base que vous avez codifié vos règles. Vous avez codifié le tenses, vous avez codifié les antonymes, ça c'est le vocabulaire. Vous avez peut-être fait au niveau de d'autres éléments de la grammaire, comme le passive voice, active voice, comme le direct speech, indirect speech, comme les tag questions. J'estime que vous avez codifié les règles essentielles. On n'a pas le temps. J'ai un manuel, malheureusement, le stock est épuisé, où j'ai codifié toutes les règles de grammaire en anglais pour les locuteurs non natifs, afin que tu puisses facilement les apprendre. Donc, dans ce cas, nous avons par exemple coffee, on est au niveau de E. Coffee prevents many from. Dash, 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 to sleep. Quand vous voyez la question, à quel domaine de la grammaire se rapporte cette question? Et quand on va to sleep, on voit le verbe. Et quand tu vois le verbe, tu sais qu'il faut conjuguer ces verbes. Dans le cas de la question-ci, l'élément qui détermine la forme de sleep, c'est le from. Parce que ici, nous avons affaire à des propositions. Des prépositions, pardon, qui vont et qui imposent une forme donnée à un verbe. Et dans la règle, on dit qu'après la préposition from, le verbe qui suit doit être mis au ing form. Donc ici, on aura coffee prevents many from sleeping. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose avec had the mother bought a mosquito net. Her child, dash, 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 would. Je vais poser la question à quelqu'un. Est-ce que la personne peut identifier de quel type, à quel cours rapporte cette question? Donc, la personne qui a la réponse peut ouvrir son micro rapidement. Quand vous regardez la question B, selon vous, à quelle question, à quel cours cette question rapporte? À quel domaine la grammaire? Personne? Même pas une tentative? Ça ne dérange pas si vous ne pouvez pas. Hein? Had the mother put a mosquito net, her child would not get malaria.
Oui, la question que je pose, c'est à quel domaine de la grammaire cette question rapporte? Allô? OK. En principe, ça rapporte aux conditionals. So, zero conditional, first conditional, second conditional. Et il y a des règles qui régissent ça. Et effectivement, ici, c'est une forme un peu plus compliquée parce que c'est le bac. On aurait pu reformuler parce que l'élément qui vous conduit sur le conditionnel, c'est le mot if. En principe, ici, on aurait pu dire if the mother had bought a mosquito net, et on a la deuxième partie. Et ici aussi, quand vous lisez, vous pouvez bien codifier. Et ici, la réponse est if the mother had bought a mosquito net, her child would have not gotten malaria. Her child would have not gotten malaria. Ici, la règle dit quoi? Si on a if plus had plus le verbe au past participe, ça veut dire que if plus le past perfect, nous avons dans la deuxième partie de l'expression would plus le present perfect, ou bien plus développé, would plus have plus le verbe au present, au past participle. Ça, ce sont des éléments que vous pouvez codifier. Les règles de chaque type de conditionnel, et vous mettez ici. Maintenant, deuxième élément, après avoir identifié le domaine de la grammaire, cherchez à avoir les indices. Comme je dis, en grammaire, par exemple, il y a toujours les indices qui vont vous conduire vers la bonne réponse ou bien la règle que vous aurez codifiée dans votre préparation. Ici, on a par exemple, your handset is gorgeous. Where did you dash dash it? Back CD 2015. Et il y a même trois propositions ici. Ici, le did déjà vous conduit sur quelque chose. Le did va imposer la forme du verbe. Parce que did, c'est un auxiliary. Et l'auxiliary did ou do, ici dans en past tense, c'est l'auxiliaire là qui prend la marque du temps. Et ça impose le bare infinitif après. C'est-à-dire que quand on a dit, le verbe qui suit n'est plus conjugué. Alors que ici nous avons brought qui sont déjà conjugués. Et le seul élément qui n'est pas conjugué, c'est by. C'est la même chose pour le bac, pour cette question que j'ai pris dans le bac A4 2002. I dash dash English for 7 years. For ici appelle le present perfect. For since ago, ce sont des expressions qui appellent le présent parfait. Donc ici, quand vous voyez English, c'est vrai qu'on n'a pas donné le verbe, mais il y a ce qu'on appelle aussi le collocation. Donc il y a des mots qui appellent automatiquement certains types de mots à leur côté. Et quand on voit English, on voit learn qui peut être le mot qui va colloquer. Ici donc on va mettre I have learned English for 7 years. Je vais un peu sortir par cette preuve de vocabulary qui est, je vois que ça va être bac ou probatoire 2014-2015. Donc, ici, nous avons le vocabulary. C'est un peu, ici, on vous donne des vides sans mots proposés. Ça, c'est l'un des éléments qui dérange. Mais la technique à utiliser ici, c'est que basez-vous sur les mots de la phrase que vous maîtrisez. Ne cherchez pas les mots difficiles et vous cherchez leur signification, mais cherchez les mots que vous comprenez. Et ces mots que vous comprenez dans la phrase peuvent vous aider à deviner le sens des mots que vous ignorez. Parce que ici, vous ne pouvez que deviner. Ici, on a please. What is this? Quand vous voyez please, vous connaissez please. Et quand vous voyez please, vous savez que c'est sûrement une question qu'on va poser. Vous avez taxi. Vous avez Cameroun. Et quand vous dites taxi, vous voyez drop, ça peut vous donner des indications sur ce que drop veut signifier. Donc, ici, sûrement, c'est le prix du taxi qu'on demande. Donc, le mot juste ici, c'est what is the fare for a taxi drop in Cameroon? Fare, F-A-R-E, c'est le mot technique qui désigne
le prix que coûte peut-être un voyage ou bien une distance quelconque quand tu sollicites le service d'un taxi ou bien peut-être d'un bus et autres. Mais ici, quand vous allez mettre le mot comme cost, on va vous donner, on va vous donner le point. Donc, si vous avez les synonymes dans ce sens, on peut vous donner le point. Ici, nous avons people who go on foot are called. Ici, on a question 5. Le mot technique ici, parce que ici, vous connaissez foot, c'est-à-dire que people, vous avez go, donc vous devinez déjà ce que les autres mots que vous pouvez ignorer veulent dire. Donc ici, people who go on foot are called pedestrian. Ça, c'est le mot technique. Mais si vous mettez walker, on va aussi vous, on ne va pas aussi vous refuser les points. Donc, le conseil que je vous donne sur les questions de vocabulaire, c'est apesantissez-vous sur les mots ou les expressions de la phrase que vous maîtrisez et partez de, à la, sur la base de ces mots-là pour vous deviner les mots que vous ne connaissez pas. Merci pour votre aimable attention et nous allons entrer dans la phase des questions-réponses. Jacinthe, et terminer la présentation. Merci. Ok, nous disons vraiment merci, merci beaucoup au professeur Alain Vaussoum. Et franchement, plus il déroulait son exposé, plus j'étais vraiment très intéressé et j'ai aussi moi-même beaucoup appris. Et j'ai aussi été beaucoup marqué par les techniques pédagogiques, ça veut dire qu'il pouvait donner la parole aussi aux élèves pour pouvoir solutionner quelques petits exercices déjà des examens. Donc, actuellement, nous allons donner la parole aux élèves, à vous qui avez écouté, qui avez suivi. Je veux juste rappeler, lorsque quelqu'un veut prendre la parole, qu'il clique juste sur la main en bas là, et je lui donne la parole. Et peut-être comme on a des problèmes techniques, pour ceux qui sont en visuel, s'ils veulent prendre la parole, ils peuvent lever la main, je veux aussi voir, et puis je leur donne la parole. Bon, moi je vais commencer parce que moi aussi j'ai ma question. Hein. J'ai aussi mes petits frères et mes petites soeurs à la maison. Non. Moi je vais déjà. Il y a quelqu'un qui a une question sur le chat? Oui. Ok. Nous allons prendre la question qui est dans le chat. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? On peut prendre une série de plusieurs questions. Donc, nous avons déjà une question. C'est Kongem Isis qui demande à propos du conditionnel. Cela signifie qu'il n'est pas toujours introduit par if. Ça, c'est la question de Kongem Isis. En attendant que les autres, peut-être qui sont en train de noter leurs questions, se prononcent, je vais donner la parole à l'enseignant pour qu'il puisse répondre. Je rappelle la question. Kongem Isis demande, à propos du conditionnel, est-ce que cela signifie qu'il n'est pas toujours introduit par if? Merci, Kongem, pour cette question. Et je vois que tu l'as deviné dans la question que nous avons traitée dans l'épreuve. Le conditionnel est introduit par if, mais c'est if peut être élidé. Et tu as vu dans la question qu'on a traitée. Donc, effectivement, surtout premier terminal, on va vous donner ce type de formule un peu plus compliqué du conditionnel, ce qui n'est forcément pas le cas peut-être pour le BPC. Effectivement, ce n'est pas toujours. Mais voilà les éléments qui vont vous permettre d'identifier le conditionnel. Premier élément dans le conditionnel, il y a deux parties. Une partie séparée à l'autre part, une virgule. Et c'est le cas dans la question que nous avons eue. Maintenant, quand le if est élidé, la phrase commence par l'auxiliaire qui devait, en principe, aller après le sujet. Par exemple, if I had a car,
I dash 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 drive to Douala. Il y a le if ici, mais je peux transformer. Je prends maintenant le had, je mets au début de la phrase. Et je fais un changement, une mutation. Le sujet, au lieu de venir avant le verbe, le sujet vient après le verbe. Et ça va donner had I a car, comma, I dash 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 drive to Douala. Et ici, on aura donc had I a car. Bon, je te pose la question, Isis. If I had a car, I dash 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 drive to Douala. Est-ce que tu peux mettre le drive là à la forme qui convient? Isis, tu nous écoutes? Apparemment, son micro a été coupé. Je ne sais pas si l'administrateur peut remettre la parole à Isis. OK. Donc, ici, je sais que tu es en train de nous écouter. Il suffit seulement que tu actives ton micro. Voilà, tu l'as fait. Voilà. Tu peux répondre à la question. I had a car. Yes. Mm-hmm. I dash dash to drive to Douala. If I had a car, I will drive to Douala. Voilà. I will. Uh-huh. If I have a, I had a car. Mm-hmm. I would have driven. Mm-hmm. Donc, tu vois, donc, Isis, c'est pas mal. Ça veut dire que tu connais déjà, en principe, au moins la structuration, même si la réponse n'est pas forcément la bonne réponse dans ce cas. Mais ici, tu vois, donc, dès qu'on va finir ce webinaire, il faut que tu ailles codifier les règles au niveau du conditional. Parce que ici, la règle ici va dire quoi? If plus past tense dans la première partie. Ici, on a justement if plus had qui est au past tense. Nous aurons would plus the bare infinitive of the verb. Donc, on va dire if I had a car, I would drive. Drive. I would drive. Et n'oubliez jamais, après les auxiliaires, les verbes ne sont pas conjugués. Ok, monsieur. Ici, nous avons affaire à l'auxiliaire modal, will. Donc, tu ne veux pas mettre would, qui a déjà pris la marque du passé, et tu cherches à mettre le verbe après conjugué. C'est facile. Dès que vous avez l'auxiliaire modal, les seuls auxiliaires qui entraînent le changement du verbe, ce sont les auxiliaires comme have, to be. Okay, mais les do et les auxiliaires modaux, quand vous les utilisez, c'est eux qui portent les marques du passé. Et le reste, ça reste au niveau de l'infinitif. Donc, merci. Pour répondre à ta question, il n'y a pas toujours if. Merci. Merci, monsieur. Mm-hmm. OK. Isis, tu es satisfaite? Oui, monsieur, merci. OK. Nous allons continuer avec une autre question de Maëva Julie. Voilà ce qu'elle demande. Au niveau du vocabulary, si on connaît la réponse, mais pas la traduction en anglais, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on écrit en français ou est-ce qu'on laisse la case vide? Cette question peut amuser, mais c'est une question très courante, en fait, en principe. La première chose que je vais dire à Maëva, dès que le prof d'anglais arrive, assassine le français. C'est-à-dire que tu prends le français, tu l'étrangles. Toi un peu, n'est-ce pas? Tu tords le cou au français et tu oublies ça. C'est pour cela qu'au niveau de vocabulaire, je vous ai dit, ne cherchez pas à traduire. Pourquoi? Vous ne le pourrez pas. Parce que vous avez affaire au français, qui est une langue que vous maîtrisez. Et vous le traduire en une langue que vous n'avez aucune maîtrise ou bien que votre maîtrise est approximative. La technique que je vous ai donnée, c'est de deviner le sens des mots que vous ne connaissez pas. Et ça vaut même dans l'apprentissage de l'anglais en général. Quand vous apprenez l'anglais et que vous... Il y a un mot que vous ne connaissez pas, n'ouvrez pas directement le dictionnaire. Ce n'est pas une meilleure façon d'apprendre. Mais dans le contexte où le mot est utilisé, vous pouvez avoir des éléments qui vont vous permettre de deviner. Et c'est quand vous devinez le sens de ce mot
que vous allez vérifier dans le dictionnaire. Là, c'est dans l'apprentissage. Maintenant, on ne réfléchit même pas en français. Maëva, ne cherchez même pas à réfléchir en anglais, en français. Réfléchir en anglais, comprendre en anglais. Et je vais vous dire une chose. Je vais vous parler de la psychologie du correcteur. Le correcteur est là. Il a des copies à corriger. Pour les correcteurs en anglais, surtout les correcteurs qui ne sont pas bilingues, qui sont des anglophones purs, surtout dans le contexte où nous vivons, ils ont horreur du français. Ça veut dire que le simple fait que tu écris en français ton épreuve d'anglais va influencer même les questions suivantes que tu auras peut-être trouvées. Ça met le côté dans la psychologie où il est fâché. Donc, évitez beaucoup le français. Maintenant, est-ce qu'on laisse? Il ne faut jamais laisser une case vide. Jamais. Pourquoi? Une personne qui laisse une case vide déjà, en fait, vous ne perdez rien à mettre quelque chose. Ça, c'est la première chose. Et il y a des moments où je ne trahis pas un secret, où les enseignants, pendant la correction, sont un peu cléments, même si la réponse donnée, bon, pour Yacine, c'est peut-être impossible parce que c'est une science exacte. Mais pour les langues, il y a des moments où, quand on voit les efforts que vous avez fournis, même pour rien comme ça, on vous donne demi-point. Donc, vous voyez ce que vous pouvez gagner en mettant quelque chose. Alors, quand vous ne mettez pas, non seulement on a une mauvaise impression de vous, parce qu'on dit que, bon, voilà les gens qui fuient souvent le cours d'anglais là. Et vous savez que quand vous fuyez le cours d'anglais, ça nous énerve. Donc, du coup, si je vois que tu n'as rien mis ou bien tu as mis un truc qui m'énerve, ça me rappelle justement l'élève de ma classe qui fuit souvent mon cours là. Et du coup, je suis dur avec toi. Donc, jamais écrire en français et jamais laisser des vides. Réfléchissez et mettez quelque chose. Vous ne perdez rien à mettre quelque chose. Voilà. Yacine, ton micro est mute. Donc, merci beaucoup. De très bonnes réponses, de très bons conseils à vraiment appliquer. Et j'espère que nos élèves sont en train de prendre des notes. Nous continuons avec la question de Tal Ariel qui dit « Sur le vocabulary, porte-t-il toujours sur les modules de notre programme ou ceux vus dans les classes antérieures ?» Oui, je crois que je l'ai précisé dans ma présentation. C'est ce que vous aurez appris en anglais de votre entrée au lycée jusqu'à la classe où vous écrivez, où vous avez à faire face à l'examen. Donc, ce n'est pas seulement ce qu'il y a. C'est vrai qu'on privilégie les thèmes. Mais si vous allez un peu dans les épreuves antérieures, ce n'est pas toujours les thèmes qui sont dans le livre de votre classe qu'on donne. Il y a même eu des cas où les textes sont venus des livres de classe antérieure. Je crois qu'il y a eu des cas comme ça. Donc, ce n'est pas seulement sur les modules. C'est pour cela, c'est d'où le problème. En fait, si vous avez négligé l'anglais dans les classes antérieures, c'est pour cela souvent qu'il y a des problèmes que vous avez quand vous avancez. Donc, ça, c'est tout un autre sujet. La façon dont même on enseigne, comment notre programme d'anglais est conçu, ça, c'est tout notre domaine. Mais c'est pour répondre à ta question, c'est aussi les thèmes que vous avez vu dans les classes antérieures. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Il y a encore Tal Ariel qui a posé une autre question. Elle dit, en grammaire, comment déterminer le sens d'une préposition, par exemple, « at », qui a plusieurs significations en fonction du contexte? Je crois que Ariel a donné la réponse dans sa question. Parce que il dit, par exemple, « at », qui a plusieurs significations en fonction du contexte. Et effectivement, ça, ce n'est pas en principe l'apanage de l'anglais. C'est dans toutes les langues. Le mot change souvent des significations selon le paramètre polysémique, selon le contexte dans lequel ce mot est utilisé. Je crois que c'est à ce niveau où j'ai parlé de la lecture thématique. Je prends un exemple simple avec acte. Quand vous voyez acte avec le lieu, vous aurez donc dans votre énoncé ou dans votre phrase peut-être un lieu
Et c'est le lieu-là qui vous détermine le fait que le acte qui doit être utilisé ici, ce n'est pas le acte qui s'utilise dans le domaine du temps. Maintenant, vous avez dans un cas où vous avez acte, vous avez in et vous avez tout. Les trois prépositions peuvent être utilisées dans le domaine du temps aussi. Mais ici, vous voyez par exemple, I am currently dash 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 home. Et vous avez at, vous avez to, vous avez in. Le home, qui est en principe une localisation géographique, te permet de te rendre compte que en principe, il s'agit là d'une préposition de lieu. Et comme c'est une position, la règle dit que quand c'est une position, un point donné où tu te trouves, tu mets at. Quand c'est un mouvement, tu mets tout. Quand c'est un endroit, par exemple, qui est un peu entouré ou bien qui est dans un endroit un peu plus large, tu mets in. Donc, ça, ce sont les règles qui sont aussi très bien définies que vous pouvez codifier pendant que vous préparez vos examens. C'est vrai qu'il y a tellement de règles à codifier. C'est pour cela que la technique des corrections commentées vont vous aider. C'est très facile. Bon, les autres pédagogues ou didacticiens peuvent me le contredire. Mais moi, je suis partisan de l'apprentissage par l'erreur. Quand tu commets l'erreur et qu'on te corrige, souvent, tu t'apprends mieux quand c'est par l'erreur. Donc, commettez autant d'erreurs que vous voulez pendant que vous vous préparez. Plus vous commettez ces erreurs-là, plus vous apprenez et vous corrigez. Et quand vous êtes dans le même contexte, vous ne tombez plus dans le même piège. Donc, un peu, vous allez laisser vous prendre par les pièges et analyser comment vous êtes laissé prendre dans le piège. Et quand vous allez maintenant aller au niveau de l'examen, vous aurez plus de capacité à le faire. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à Ariel. Ariel, tu es satisfaite? Ok. Elle lève la main en guise de satisfaction. Là, je suis vraiment impressionné par le professionnalisme de Valsum, parce que honnêtement, la qualité des réponses et puis les conseils qui sont donnés, je pense que si nos élèves les mettent en pratique, ce sera vraiment super. Je veux dire bienvenue à Tank Lynx qui se connecte depuis Lomé au Togo. C'est la preuve qu'on n'est pas seulement suivi au Cameroun. Je regrette que tous nos élèves ne saisissent pas cette occasion. Vous voyez, les gens en Afrique commencent déjà à s'intéresser. Donc, je crois que vous qui voyez les bienfaits de ces webinaires, vous avez le devoir de pouvoir encourager les autres. Vous savez, l'enfant, parfois, quand tu le laves, il est mécontent. Tu es obligé de le forcer un peu. Et c'est ce qu'on vous fait. On vous supplie et on vous force pour votre propre bien. Donc, nous avons encore une autre question. Nous avons encore Kongem qui revient avec une autre question. Au niveau du essai, comment faire la différence entre expository essay et argumentative essay with one part? Ok. La première chose que je vais demander à Isis ou à Isis, quelle est la compréhension que toi-même tu as de ça? Est-ce que tu es vraiment tabula rasa? C'est-à-dire que dans ta tête, tu ne connais rien de ça? Ou bien tu as une idée que tu veux vérifier? Monsieur, c'est juste que je connais bien expository essay et argumentative essay. Mais souvent, faire la différence entre les deux est un peu difficile. Surtout lorsque argumentative va être one part, donc seulement for et non for and against. Ok. La première chose que je vais te dire, c'est que moi, je ne suis pas très familier avec le argumentative essay one part. Parce que le argumentative essay implique l'argumentation. Donc, je ne sais pas si c'est ton enseignant qui t'a parlé de argumentative essay one part. Mais en principe, quand on parle d'argumentative essay, c'est qu'il y a une posture. Et dans cette posture, en principe, c'est un peu comme tu prends ce qu'on expose. Et tu essaies d'étayer ça. Et quels sont les éléments qui pourraient faire en sorte qu'on sous-tend cette position-là?
et après tu passes avec la deuxième partie. Donc personnellement, je ne suis pas très familier avec le argumentative essay with one part. Donc moi généralement le argumentative essay, je l'enseigne toujours de la façon dont je te donne là. Donc je ne sais pas si il y a une explication quelconque qui t'a été donnée en classe sur la base de, en fait, par rapport à cet argumentative essay. Et je crois que ce qui a comme problème sur ta question, c'est le one part. Parce que je crois que tu connais ce qu'on appelle expositive essay et argumentative. Mais sur l'élément one part là, puisque quand c'est l'expositive essay, ce sont les éléments que tu étales. Il n'y a pas besoin de mettre en opposition les éléments. Est-ce que il y a un enseignement que tu as reçu par ton professeur sur l'argumentative essay one part à l'examen? Je parle surtout aux examens officiels. Et si oui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Peut-être moi, je serais édifié là-dessus. Isis, tu as la parole. Alors, en classe, on était en train de corriger un essay writing. Et maintenant, il y avait une place où c'était argumentatif. Et comme on n'a pas posé la question « discuss on this », la dame a dit que c'était... Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'elle entendait par « one part » ? On devait juste soutenir ce qu'on nous a... en fait, la question qu'on nous a posée dans la consigne. OK. Ça, c'est le problème souvent avec nos enseignants. Il y a sur des sujets sur lesquels on ne s'entend pas. C'est quoi discours? Discours, beaucoup de gens ont souvent en fait, traduit par discuter. C'est pas discuter. C'est que vous donnez, en fait, vous développez, vous donnez votre point de vue et vous décortiquez le thème qu'il y a. Maintenant, quand one part, c'est comme si on t'exige d'avoir juste une seule partie. Tu peux avoir deux éléments. Si c'est une partie, tu le fais en une partie. Et la différence principale, c'est qu'avec l'expository essay, tu as un peu juste d'étaler. Il n'y a pas forcément, en principe, une obligation d'argumenter. Alors que dans l'argumentative essay, c'est l'un des éléments les plus importants, c'est justement les éléments qui sous-tendent la position que tu prends. Que cette position soit la position de ce qu'on a donné dans le sujet ou bien une position contraire. Donc, la différence principale que tu dois faire, c'est qu'au niveau de argumentative essay, rassure-toi que ton paragraphe a trois parties. Il y a le topic sentence que tu auras. Le topic sentence, en principe, c'est l'exposition de thème. C'est comme ça que quelqu'un qui est en train d'accidentellement partager son écran. Oui, Maëva Julie, tu as partagé l'écran. Est-ce que l'administrateur peut... Ok, merci. Voilà, merci. Oui. Donc, il y a le topic sentence. Maintenant, quand tu as le topic sentence, maintenant, tu donnes en principe l'argument qui sous-tend ta position. Après avoir donné l'argument qui sous-tend ta position, maintenant, tu as la phrase finale qui te permet de conclure et de passer, d'introduire le paragraphe suivant. On a passé le temps. Et je crois que pour le essay writing, je ne veux pas faire une promesse que pas tenir, mais j'ai failli dire que peut-être je pourrais faire une synthèse de documents, en principe, comment aborder les différents types de essay writing. Et peut-être passer à Hyacinthe pour ses élèves et à d'autres personnes. Mais j'ai bien peur de faire une proposition ou bien une promesse que je ne pourrais pas forcément tenir vu mon programme. Mais nous verrons en inbox avec Hyacinthe par rapport à ce sujet-là. Mais c'est difficile, en principe, de traiter ce sujet de façon profonde, juste avec le lecture. Merci beaucoup, monsieur. J'ai compris. Merci beaucoup. OK. Merci pour la qualité des réponses. Moi, j'ai retenu une promesse, hein. Donc, tout ce que je vais seulement dire à Alain, c'est que bon, j'attends la synthèse dont tu es en train de parler parce que nous avons déjà ouvert un groupe, mais nous ne l'avons pas encore mis à disposition parce qu'on veut tous les éléments. Ça veut dire, j'ai déjà commencé à faire des fiches de lecture. Il y a ta synthèse qui arrive et puis le professeur Paul Martin et d'autres enseignants aussi vont préparer des éléments. Donc, ce sont des éléments comme ça qui vont agrémenter ce groupe parce qu'on souhaite rester en contact avec nos élèves pour les aider. Mmh. Et moi aussi, je comprends beaucoup de choses. Je comprends que expository
essai traite seulement de l'exposition des faits tels qu'ils sont, mais argumentative essai, là on essaie de, on justifie un point de vue en donnant, n'est-ce pas, des arguments. Donc, nous allons continuer avec la question de Maëva Julie. Elle dit, j'aimerais connaître la structure de la lettre pour le essay writing. S'il vous plaît, ce n'est pas évident à écrire vu le fait que je ne comprends pas très bien l'anglais et traduire mes idées également me semble très difficile parfois. Je mélange le français et l'anglais. C'est la même chose dans le vocabulary pour compléter les mots antonymes, synonymes, vu qu'on ne nous guide pas avec les mots entre parenthèses. Ok, peut-être la réponse que je vais donner à Maëva ne sera pas forcément peut-être à la hauteur de ses attentes, et je vais dire pourquoi. Ça, c'est la deuxième question que Maëva pose. Et j'ai l'impression que Maëva pense qu'elle ne comprend pas l'anglais. Elle fait partie des personnes dont j'ai fait allusion au début de ma présentation, qui partent déjà avec l'anglais comme bête noire. Je vais poser une question à Maëva. Maëva, est-ce que tu aimes l'anglais? Est-ce que Maëva me suit? Si l'administrateur peut unmute. Si l'administrateur peut activer le micro de Maëva pour qu'elle puisse répondre. Maëva, est-ce que tu aimes l'anglais? Oui. Est-ce que tu es toujours au cours d'anglais? Oui. Tu fais quelle classe? Première. Ok. Parce qu'en principe, la structure de essay writing, on voit ça depuis la troisième. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Ça veut dire que si tu me poses cette question en première, je te parle en tant qu'enseignant, hein, ça traduit quand même quelque chose. Et c'est la chose là que je veux régler en principe. Est-ce que vous n'avez pas vu la structure? Est-ce que tu as des confusions ou tu ignores tout sur la structure de la lettre pour les sélectifs? Tu ignores tout ou bien tu as des confusions? Non, j'ai des confusions. Oui, ok, c'est mieux qu'on aille au niveau des confusions. Au niveau de la lettre. Oui, c'est quoi la confusion? Pour placer les PO box là, les données qu'on donne en fait à la personne qu'on doit écrire. Mm-hmm. Oui. Toi, je n'arrive pas. Et oui. Je ne sais pas si on fait l'introduction en fait de développement en fait dans la lettre. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Ok. Il y a combien? Excuse-moi, ne parle pas, Maëva. Il y a combien de types de lettres? Deux. Oui, un quoi format d'état et format d'état. Mm-hmm. Et c'est quoi les différences? La différence entre les deux, c'est que il y a l'une qui est écrite pour les amis et l'autre aux personnalités publiques, aux grandes personnalités. Oui, ou bien des demandes et autres, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, ce que tu dois savoir premièrement, c'est, je vais commencer par le format lettre. Au niveau de l'anglais, il faut savoir une chose, c'est qu'en anglais, on est direct. Ça, c'est, il n'y a pas, jadis, ou bien je viens auprès de votre autre personnalité, solliciter, non, non, non. Je vais prendre un exemple simple au niveau de format lettre. Tu as, par exemple, attention, est-ce qu'on a partagé mon écran? Non? Ok. J'ai un problème technique là. Ok. Voilà. Tu as affaire à une annonce d'offre d'emploi, n'est-ce pas? Donc, le premier élément que tu as demandé, c'est la disposition de l'adresse et autres éléments, n'est-ce pas? Oui. Ok, toi, tu mets quoi où? En fait, je sais que c'est en haut de la lettre. Maintenant, je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite. Mm-hmm. Comme place ça. Placer quoi? Parce qu'il y a deux éléments que tu dois placer... mettre. Placer...
Ça, c'est pour quelle lettre? La lettre au personnel. Oui, on est au niveau du format letter. Je sais que là-bas, on écrit juste en majuscule l'objet de la demande. Oui, mais avant ça, il y a deux adresses. Il y a l'adresse qu'on vous donne sur le preuve. C'est-à-dire que vous vous appelez tel et vous êtes de tel endroit. On vous donne l'adresse. Il y a aussi l'adresse de la structure à laquelle tu dois adresser peut-être ta demande. Tu places ton adresse à quel niveau, selon la connaissance que tu as déjà? Là, je ne sais pas. Donc, tu n'as aucune idée? Voilà. En fait, c'est d'où la première question qui a été posée concernant, en principe, l'intérêt que tu manifestes à l'anglais et ce que tu estimes. En fait, retiens que l'adresse de celui qui envoie, c'est-à-dire que l'adresse qu'on te donne au niveau de l'épreuve, tu mets ça en haut à droite. On se comprend? D'accord. Maintenant, juste en dessous de l'adresse de celui qui envoie, il y a la date. Maintenant, okay. En bas, à gauche, il y a l'adresse de la personne à qui la lettre est adressée. On se comprend? Oui, oui. Maintenant, tu mets « Dear Sir », virgule, et si c'est une demande d'emploi, tu mets donc « An application for the position of ». Sûrement, il y a souvent la position que tu sollicites dans le preuve et tu soulignes. D'accord, et maintenant, merci. Dès que tu abordes, il n'y a pas d'introduction ou bien « I come most respectfully ». Non, il n'y a pas de traduction à faire. Tu dis « This is an application for the position of » et la position là est donnée. Et dans votre preuve, on vous dit là où cette demande offre d'emploi a été publiée. Donc, tu mets donc « This is an application for the position of secretary or let's say maybe teacher advertise in », ça veut dire que publié dans, et tu mets le journal dans lequel c'est utilisé. Il faut toujours introduire, dès que tu réussis à bien mettre les adresses et que tu introduis, comme je t'ai dit là, tu as déjà une autre, peut-être que je ne te dévoilerai pas ici, mais une autre qui ne sera pas forcément quelque chose à négliger. D'accord, merci beaucoup. Oui, maintenant pour les informal letter, nous avons l'adresse de celui qui envoie au niveau en haut à droite. Et maintenant, il n'y a pas l'adresse maintenant de la personne à qui tu envoies cette fois-là. Et tu commences directement à écrire. Voilà. Ça, c'est pour répondre à la question concernant le format letter. Maintenant, pour la suite de ta question. Si tu reviens encore avec le mélange de français à l'anglais, tu as encore le temps, Maëva. Tu as encore le temps d'appliquer les conseils que je t'ai donnés dans la préparation aujourd'hui. Parce que si tu abordes l'anglais avec le français en tête, tu seras toujours confus. Et c'est un très grand blocage, en fait. Parce que le fait que tu sois en français, tu veux traduire, tu ne t'en sors pas. Maintenant, comme je t'ai dit, tu peux savoir si c'est le antonyme ou c'est le synonyme par rapport au contexte. Il n'y a pas une règle que je peux vous donner pour dire que non. C'est peut-être quand tu vois que c'est écrit en gras, ça veut dire que c'est le antonyme qu'on demande. Ou bien quand tu vois que la phrase a deux lignes, c'est le synonyme qu'on demande. Non, il n'y a pas de formule magique. C'est toujours dans le contexte présent que tu identifies le domaine de la grammaire qu'on te demande. Et après avoir identifié, tu peux maintenant aller au niveau des règles que tu auras codifiées. D'accord, merci beaucoup. Ok, nous disons merci encore pour ces réponses édifiantes. Nous donnons la parole. Nous allons prendre la question de Techno F1. Il aura certainement le temps de donner son identité. Comment faire pour apprendre l'anglais comme les autres matières? La question que je veux poser à Techno, c'est que comment pour apprendre les autres matières? Peut-être que la façon dont il apprend les autres matières va me permettre de faire des matières. Ok, si l'administrateur peut activer Techno F1. Oui, tu as la parole. Oui. Tu te présentes et puis tu te présentes et tu réponds à la question. Oui, bonsoir. Moi, c'est Tengue Javis, élève en premier C de Nkena. Je vais dire, moi, j'apprends les autres matières très bien.
Je prends le cahier, je dis très bien. Et l'anglais, quand je prends l'anglais, je lis, je ne comprends rien. J'ai même les dictionnaires pour étudier avec, mais je ne comprends pas toujours. Mais je ne sais pas ce qui. Donc, où il y a une autre méthode pour bien apprendre. C'est ça okay. Que je voulais demander. Ok. Tu vois que la question est différente maintenant, en fait. En fait, le fait que tu ne comprends pas du tout l'anglais et ça bloque un peu l'apprentissage. Et Techno, tu t'es connecté un peu plus tard. Je crois que peut-être si tu avais suivi ma présentation, il y aurait quelques éléments qui pourraient aider. Mais grosso modo, vous ne pouvez pas apprendre quelque chose que vous n'aimez pas. Ça veut dire que quand vous n'aimez pas une matière, et ça, c'est quelque chose qui est commun aux scientifiques. Je ne sais pas d'où est venue cette idée où les scientifiques estiment que l'anglais n'est pas important parce que justement, il y a une réflexion qui est sur le coefficient. Tout se passe par rapport au coefficient. Et nous avons un système qui nous a obligés à apprendre sur la base d'avoir des notes pour évoluer. Ce n'est pas le cas. Quand vous avez cette conception de l'apprentissage, dès que vous arrivez à l'enseignement supérieur, vous allez comprendre, comme on vous dit, vous allez lire l'heure. Parce que justement, l'anglais est plus important et incontournable pour les scientifiques. Et au début, mon frère Hyacinthe, ce n'est même pas seulement parce qu'il était à Bamenda. Hyacinthe sait que dans ses recherches, la plupart des documents qu'il doit lire en physique sont en anglais. La plupart des revues où il va publier ses articles, c'est en anglais. Donc, première chose, mon ami, essaie de changer ta disposition par rapport à l'anglais. Dis-toi que si je veux être médecin, je dois absolument apprendre l'anglais. Et cette motivation, c'est-à-dire que fixez-vous des objectifs. Cet objectif constitue un stimulus. Il n'y a pas d'apprentissage sans stimulus. Le stimulus te permet de te pousser à faire certains efforts et à apprendre. Deuxième chose, pour apprendre l'anglais, lisez beaucoup en anglais. Et tu n'as pas besoin de comprendre. Le problème avec la psychologie des francophones, c'est ça que les anglophones apprennent le français plus rapidement que nous. Pourquoi? Le francophone, même dans sa psychologie, c'est quelqu'un qui aime le beau, l'inventaire. Tu vois, quand quelque chose n'est pas très bien fait, il préfère ne pas le faire. Donc, c'est cette psychologie-là qui anime les francophones. Tant que l'anglais n'est pas très bien maîtrisé, il préfère ne rien dire. Tant qu'il ne comprend pas très bien, il préfère ne pas parler. Au fur et à mesure que tu lis l'anglais, au fur et à mesure que tu écoutes l'anglais, il y a en principe des connaissances que tu es en train d'acquérir dans ton subconscient, que toi-même, tu n'es pas au courant. C'est la même chose. Si tu t'exposes, par exemple, à la musique de Malox qui revient, qu'on joue chaque temps, comme on dit vulgairement, tu vas te rendre compte que tu es en train de chanter Malox sans savoir. Parce que ton subconscient a emmagasiné, à force de répéter cette musique, des connaissances que toi-même, tu ignores. Donc, l'un des éléments pour apprendre une langue, c'est de t'exposer au maximum à cette langue. L'écouter, la lire, la parler. Et au fur et à mesure que tu t'exposes à cette langue, tu vas te rendre compte qu'il y a des mécanismes qui vont, en principe, arriver. Ce n'est pas un coup de baguette magique. Il faut avoir de l'amour pour cette langue, de la persévérance aussi dans ce que tu fais. Donc, ça sont les éléments globaux que je peux te dire pour justifier le pourquoi je n'arrive pas à apprendre l'anglais et comment remédier à cela. Il y en a d'autres, et je crois que des personnes qui sont passées par mon centre ont presque tout eu ces techniques-là. Donc, quand tu viendras à l'université, cherche Edurama. Donc, ça c'est la page plus. Voilà, c'est un peu la parole. Thank you very much, Vaishum. You know, when I was about to write my IELTS International English Language Testing System, I was forced to be trained in listening, because in IELTS you will spend four main stages. First of all, speaking. Secondly, writing. Thirdly, listening, and something like reading. And I was very, very, very poor in listening, because the native were speaking and you had to interpret. And each time I put BBC or CNN
to improve my skills in terms of listening. Donc, j'étais en train de dire que quand je voulais faire une certification qui prouve que je suis apte en anglais sur le plan international, j'étais obligé de mettre BBC et CNN parce que je devais composer en listening. Listening, ça veut dire que tu entends les natifs, c'est-à-dire les gens des États-Unis ou d'Angleterre parler et tu interprètes. Donc, et c'est à partir de là que j'ai découvert que je pouvais vraiment finalement écouter. Donc, ce que Alain dit est vrai. Plus tu vas mettre un environnement d'anglais autour de toi, plus tu vas te surprendre en train d'être bon, d'être fort en anglais, d'avoir de grandes notes là où tu n'espérais même pas le faire. Donc, nous allons prendre la question de Technopop 3. Il dit, bonsoir, monsieur. Mon problème est celui, vu que l'anglais est trop vaste et chaque professeur ne fait que suivre son évolution en fonction des doléances des élèves ou les différents problèmes. J'aimerais juste savoir les chapitres récurrents en anglais susceptibles de venir au baccalauréat. OK. Je crois que là, c'est une technique vite fait, c'est de raccourci. Mais malheureusement, ce n'est pas ta faute, mon ami. Moi-même, quand j'enseignais au lycée, j'ai dû faire quelque chose qui n'est pas forcément conseillé. Et ça, c'est pour combler un peu les failles de notre système éducatif. J'ai dû concevoir un système qui est intitulé « Comment avoir au moins 10 en anglais sans rien comprendre ». Pourquoi ? Parce que justement, il y a des gens qui sont en terminale qui n'ont même pas le niveau de la sixième. Maintenant, ce qu'on me demande d'enseigner et la façon dont je dois enseigner, normalement, était destiné pour ceux qui ont bien suivi leur cours de la sixième jusqu'en terminale. Et c'était pour répondre aux gens qui posent des questions comme toi. Parce que la vérité, c'est qu'il a besoin d'une bonne note pour réussir. Donc, je ne dois pas le forcer à aimer l'anglais ou bien à parler anglais. Là je parle du lycée. Donc, mon objectif, au-delà de t'aider à parler anglais, c'était de pouvoir réussir et de passer ton examen. Donc, je te réponds dans ce sens-là. Mais juste pour te dire que quand tu auras ton examen, ne lâche pas l'anglais parce que tu as eu juste que ça va marcher là comme ça toujours. Premier élément en grammaire, je te dis, maîtrise bien tous les temps verbaux. Tous les temps verbaux. Les temps verbaux, d'une façon ou d'une autre, viennent toujours sous une forme ou sous une autre. Deuxième élément, maîtrise tout ce qu'il y a autour des temps verbaux. Je cite, passive voice, active voice. Conditionals, qu'on a vu. On a vu, il y a le gerund. Quand on a parlé de from sleeping, il s'agit ici du gerund. Il y a le gerund, il y a le tag questions qu'il faut maîtriser. Ça veut dire, tu maîtrises les temps verbaux surtout, mais avec tous les éléments qui sont autres temps verbaux. Si tu étais, en fait, si tu étais mon élève ou tu m'avais sur une longue date, c'était tous les éléments là, comment réussir l'anglais sans connaître là, sans bien maîtriser là, que tu peux avoir. Mais ce que je peux te dire, mais fais attention, c'est pas parce qu'il t'a dit ça que maintenant tu vas te baser seulement sur ces éléments là pour dire que ok, c'est ça qui va faire en sorte que je vais réussir mon anglais. Et quand ça va te dépasser, tu vas dire que non, le tonton qui nous a parlé le jour-là nous a poussé à l'erreur. Non, ce sont des indications. Moi, je t'encourage, tu as été là jusqu'au début, je t'encourage à suivre ce que j'ai donné comme conseil. Mais maintenant, tu peux mettre plus l'emphase sur ces éléments-là. Sur le plan du vocabulaire, lis beaucoup les textes et les thèmes qu'il y a autour de toi et essaie d'avoir... quand tu prends un mot clé, parce que dans chaque texte, il y a les mots clés. C'est quoi les mots clés? C'est les mots qui se rapportent au thème traité dans le texte. Donc, quand on parle peut-être de la circulation, les mots clés, ce sont les genres traffic lights, les genres road, les genres driver, les genres car, et tous ces éléments-là, tu prends. Et quand tu prends, par exemple, tu essaies de voir est-ce que c'est un mot ou qui peut avoir un préfixe ou un suffixe. Si oui, c'est quoi? Tu fais des recherches là-dessus. Parce que le suffixe, le préfixe font partie en principe de ça. Tu vois les synonymes et les antonymes de ces mots-là. Voilà les éléments que je peux dire grosso modo.
mais ne te fie pas à ça. Ne quitte pas de cet endroit. Tu vas maintenant noter que tu lis seulement cette partie-là et tu t'attends à ce que tu vas réussir ton cours d'anglais. Et applique les conseils qui t'ont donnés. Tu es scientifique, toi aussi? Est-ce que tu es scientifique? Technopop 3, non? Oui, Technopop 3. Est-ce que l'administrateur peut activer son volume pour qu'il puisse répondre? Administrateur, tu peux activer le volume. Oui, oui. Est-ce que tu es scientifique? Oui, mais je suis scientifique, monsieur. Terminal, voilà. Oui, oui, c'est très facile de vous identifier. Donc, beaucoup de collègues scientifiques et travaillent très fort. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ok. Je suis vraiment très content de cet entretien qui se passe vraiment bien. Je veux aussi saluer Guili du côté du Gabon. Je ne veux pas oublier de le faire avant qu'on ne puisse finir. Donc nous avons quelqu'un du côté du Gabon, du côté du Togo aussi. Et je veux aussi demander à l'enseignant de pouvoir partager sa présentation. Il peut le faire à partir du chat et vous pouvez télécharger, vous allez certainement recevoir, vous pouvez télécharger cette présentation pour ceux qui n'ont pas été là ou pour ceux qui sont là ou qui voudraient re-suivre. Comme l'enseignant l'a dit, il y a des petits secrets. Par exemple, lorsque tu veux différencier le present perfect du past tense, le present perfect, c'est le résultat d'une action qui vient d'être déroulée. Et comme il a dit, il y a des indicateurs. I've already taken. C'est-à-dire que je viens de prendre. I took. C'est-à-dire j'ai pris I took. On va peut-être mettre là ago, peut-être 2 years ago, bien on va dire last week. Il y a des indicateurs qui vont te dire que non, ce last week ou bien ce 2 years ago là, ça signifie que là c'est le passé. Alors que quand tu vas voir already ou bien yet, tu sais que je viens, c'est un passé qui est un peu récent, tu sais que c'est le present tense. Il y a aussi le present continuous, une action qui est en train de se dérouler au moment où l'on parle. C'est-à-dire, now, at the moment, pendant qu'on est en train de parler, l'action se déroule. Là, tu utilises le present continuous. C'est juste des petits secrets qui vont faire en sorte que vous puissiez maîtriser ces temps verbaux et vous puissiez avoir aussi de bonnes notes. Comme il le disait, peut-être d'une façon plus professionnelle, c'est important d'avoir ces petits secrets. Donc, on n'a plus de questions. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement nous remercier, nous demander d'appliquer tout ce que l'enseignant déjà a dit dans son discours. S'il y a d'autres questions, vous allez les laisser sur le chat ou vos impressions aussi. Vous pouvez les laisser dans le chat. Est-ce que Techno Op3 peut nous donner son nom? Sinon, Efra peut se présenter à nous. Monsieur. Est-ce que Techno Pop 3 peut se présenter? Monsieur, je me nomme Saleh Abbas, monsieur. Ok, Saleh Abbas. Donc, dorénavant, lors de nos prochains webinaires, on va prendre l'habitude de se présenter d'abord. Parce que ça va nous permettre de mieux nous connaître. Et qui sait, peut-être on pourra continuer ces webinaires jusqu'à l'université pour des matières qui sont importantes parce qu'il y a la science qu'on apprend à l'école, mais il y a maintenant la compétence dont on a besoin dans la vie active. Vous voyez, tout récemment, j'ai réussi un entretien où je devais donner cours dans une université privée, tout simplement sur la base du fait que cette université privée ne travaille qu'en anglais. Et puis, nous étions peut-être 6, et sur les 6, on a retenu 2 personnes, un anglophone et moi. Et c'était tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte qu'on peut s'exprimer en anglais, on peut lire en anglais, on n'a aucune difficulté avec ce que c'est que l'anglais. Donc, vous voyez, c'est extrêmement important de maîtriser la langue anglaise. Je vais repasser la parole à l'enseignant s'il a un dernier mot ou bien s'il veut résumer en quelques lignes pour ceux qui nous ont rejoints après quoi la présidente va prendre la parole pour clôturer. Donc, votre attitude d'abord, je crois que la majorité, sinon tout le monde ici est scientifique, pendant qu'on va sortir de cette salle de Zoom, très grand, fixez-vous des objectifs
et donnez-vous le moyen de pour vous permettre de pouvoir préparer vos examens parce que vous avez été là avec nous pour ce webinaire. Donc, ça, c'est la faveur que vous faites. Mais n'imprimez pas pour vulgariser à vos camarades. Parce que là, quand ça va sortir, chacun a déjà le document et du coup, personne ne va acheter. Là, j'aurais investi dans le vide. Okay. Voilà. Allez, merci. OK. Nous disons vraiment merci beaucoup. Je rappelle que nous avons en face de nous un très grand enseignant, c'est-à-dire qui enseigne non seulement au secondaire, mais aussi au supérieur pour des raisons d'affaires ou pour voyager ou aller à l'extérieur. Donc, comme il a dit, je nous prie de pouvoir écrire son... puisse nous donner son numéro WhatsApp. Ça va permettre que... parce que la fois dernière, on a aussi pris le numéro WhatsApp de tous les participants. Donc, ça nous permet d'être en contact avec eux. Aujourd'hui aussi, je nous prie de laisser... vous pouvez l'écrire, hein? Vous écrivez votre nom complet, votre classe et votre numéro WhatsApp dans le chat juste en bas, là. Ça nous permettra maintenant de rester en contact avec vous, de vous donner les documents qu'il faut et si possible aussi même l'expertise qu'il faut. Est-ce que tout le monde m'a suivi? Si tout le monde m'a suivi, je voudrais déjà voir en bas s'afficher. Vous mettez votre nom. Vous mettez la classe que vous faites. Et vous mettez votre numéro WhatsApp. Ça peut être le numéro de vos parents. Là, on connaît, il n'y a pas de problème. Vous leur dites que c'est pour des raisons académiques, c'est pour nous aider à mieux vous aider. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame la présidente de la UA. Merci beaucoup, Diagbou. Et merci pour ça, Alain. C'était vraiment un plaisir. Merci à tous nos valeureux participants. Donc, moi, c'est Sylvie Diagbou, comme l'a dit Hyacinthe. Je suis la présidente de la UAT. Merci à nos amis depuis le Togo et le Gabon. C'est une joie de vous compter parmi nous. Donc, je voudrais juste vous encourager à véritablement ne pas négliger l'anglais. Et en tant que scientifique, je vous comprends très bien. Et je comprends la difficulté qu'est la vôtre en matière d'engrais. Allô? 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 Can you hear me now? Okay. I think I have some connection issues, but I think it's fine now. Donc, comme je disais, en tant que scientifique, je vous comprends très bien. Quand j'étais au lycée, je vous assure, j'avais 3-4 de moyenne en anglais et je me focalisais sur les maths où je pouvais taper facilement 19,5, 18, mais c'était une très grosse erreur parce que, je vous assure, quand j'ai eu à passer mon entretien, mon entretien d'embauche, il était totalement en anglais, mais je n'ai pas eu peur de m'exprimer en français. Quand je ne connaissais pas, je m'exprimais en français. Et quand je connaissais, je parlais en anglais. C'est ça le véritable problème. Nous, les francophones, comme Alain l'a dit, on a très peur de s'exprimer. Même si on fait des erreurs, n'ayons pas peur. Exprimons-nous. Et c'est à force de s'exprimer, c'est à force d'essayer qu'on va s'en sortir. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage dans vos examens et vraiment beaucoup de succès. Il ne faut pas négliger l'anglais parce que demain, ça peut être la seule matière qui va vous aider à avoir un emploi. Parce que cette matière aujourd'hui, la matière que j'ai eu à négliger, c'est le point central de mon travail aujourd'hui. Je travaille dans une structure où on ne parle qu'anglais. J'ai été obligée de me mettre à l'anglais, j'ai été obligée d'apprendre. Durant tout mon cursus, j'ai eu, je crois, la moyenne en anglais, juste 3 fois. Mais ça, c'était une erreur grave. Et je vous invite vraiment à ne pas commettre cette erreur. Parce que le monde de l'emploi, si vous voulez avoir des bons postes, si vous voulez travailler dans des structures
vraiment international, il faut parler l'anglais, il faut maîtriser l'anglais. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de vous exprimer. Même au fur et à mesure que vous faites des erreurs, on vous corrige, vous retenez le plus. C'est comme ça que j'ai le plus appris à parler l'anglais. Et je vous assure, quand vous êtes face à ceux dont l'anglais, c'est leur langue native, vraiment, vous allez croire qu'ils sont en train de parler du chinois. Pourtant, en fait, ils parlent de l'anglais. C'est l'anglais. Donc, je vais simplement vous dire beaucoup de courage. Nous sommes là. La UACT est là pour vous servir. La UACT est là pour vous aider, pour vous encourager à exceller dans tous les domaines et principalement dans vos études. Et je vais également profiter pour demander à Alain, parce qu'il est également le fondateur de Edurama, qui est également une structure qui travaille dans le domaine de l'éducation. Et actuellement, je vous le dis, moi, je prends des cours d'anglais chez lui. Actuellement, je suis inscrite à Edurama avec comme prof Alain. Et je vais lui demander de présenter en quelques mots sa structure, pour également dans quoi est-ce qu'elle fait et comment est-ce qu'il peut mieux aider des personnes par rapport à l'anglais. Ok, Edurama a deux à trois zones d'application. Premièrement, c'est la promotion du bilinguisme. Et nous savons, Edurama a été créé bien avant la crise anglophone. Et nous l'avons vu venir. L'importance de la langue, en principe, dans la cohésion. Dans un pays bilingue comme le nôtre. Donc, nous faisons on aide les francophones à mieux apprendre l'anglais. Avec nous travaillons à développer des formules d'apprentissage à la carte, c'est-à-dire que selon vos besoins, pour vous permettre d'apprendre rapidement votre seconde langue pour une cohésion. Et en principe aussi, nous travaillons dans la promotion de la rectitude morale. Et parce que il y a en anglais ce qu'on appelle le comprehensive education, qui n'est pas une éducation limitée à l'instruction. Nous sommes non seulement dans le savoir-faire, mais nous travaillons aussi dans le savoir-être, le savoir-vivre. Et nous avons beaucoup de projets dans ce sens-là, des conférences que nous organisons. Nous avons un projet d'ouverture en premier lieu d'une chaîne YouTube qui est consacrée à cela. Et plus tard, pourquoi pas une chaîne de télévision qui vont vous aider non seulement à apprendre, mais aussi à savoir être. Parce que, comme Sylvie l'a dit, et beaucoup de gens qui sont dans le monde de l'emploi vont vous dire qu'il ne suffit pas de connaître pour réussir. Il faut aussi savoir se comporter, avoir des bonnes attitudes et des secrets qu'on ne vous enseigne pas toujours dans les lycées ou bien dans les universités. Et nous avons aussi une radio en ligne qui diffuse des émissions éducatives qui permet aussi aux apprenants de s'édifier. Donc, entre autres, il y a beaucoup d'autres choses que nous faisons. Et Durama aura son conseil, du moins son assemblée générale, la semaine prochaine, et beaucoup de nouvelles choses qui vont venir. Je vois que les UACT, qui est un partenaire depuis les premiers pas de Durama, aura les informations là-dessus, et toutes les personnes qui sont encadrées par UACT, je crois, je leur donne la garantie d'avoir accès favorable aux activités, aux services que nous offrons aussi. Donc, merci pour cette opportunité que la UACT me donne de non seulement de partager le peu que je puis acquérir dans le domaine linguistique, et en anglais particulièrement, et aussi de parler de ma structure. Merci.